Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Doc Norfang pour un nouvel épisode de Prison Architect. Oui, on en a beaucoup. Parce que ça rame pas ça quand je le tourne. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors pendant que vous aviez le dos tourné, j'en ai profité pour quand même aménager un petit peu, rajouter quelques petits trucs et mettre l'avocat au boulot. Hein. On a quasiment tout bouclé. En cas d'exécution, on n'y est pas encore. C'est pas nécessaire. Mais on va le payer, hein, c'est pas un souci. Une salle de nettoyage qui a poussé, j'ai mis des chauffages un peu partout, ce qui fait que normalement au bilan thermique, sauf erreur de ma part, on est bon, sauf ici. Ah, ici on n'est pas bon, allez, on va leur ajouter un petit chauffage, hein, le case. 20 degrés ici sont bons tout le temps, ça c'est bon, ça c'est dehors, ça c'est bon. Le parloir, ah il fait frisquer au parloir, on va peut-être leur mettre des radiateurs aussi, j'ai peut-être oublié. On va faire ça. Allez, petite tournée de radiateur. Radiateur pour tout le monde. Côté salaud. Côté escroc. Côté tout ça quoi. Ça c'est bon. Et on avait dit, ouais là-haut vous voulez peler un petit peu. Bah, je vais vous en remettre un autre là. Et je pense que ça suffira. Ou alors je vous en mets un là. Et puis voilà. Et là on est bon. Et là 100% on est bon. Je sais même plus comment je les ai placés mes radiateurs. Oui, j'en ai placé un là. Oui. Voilà. Ça c'est placé. Il n'y a pas un truc qui clignotait, non, c'est bon. Tout est placé. Tout est placé. Tout est placé. Ça n'ira pas. Ça ira peut-être jusque là, mais ça ira pas jusqu'en haut. Clairement. Clairement ça n'ira pas jusqu'au bout, on va tirer toi jusque là. Et normalement c'est bon, ça tient. Normalement c'est solide, ça bouge pas. Comment j'ai fait mon coup? Ah oui, c'est parce que c'est pas aligné, ok. C'est pas aligné comme il faut. Allez petit bonhomme. Ils ont bien bossé, hein. Je suis fier d'eux. Hein. Vraiment. Ah ils ont bossé dur. Ils ont fait un bon boulot à 4 hein, quand même. J'ai viré tout le monde, hein, il reste en termes de personnel, hein, voilà. Si on va voir ici, voilà. Il reste pas un gardien. J'avais vu que j'avais des cuisiniers. Je payais des cuisiniers. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc dans cette vidéo, on pourrait se dire, tiens, on va peut-être enfin accueillir nos premiers prisonniers. Innocents. Innocent. On a santé, bien-être des détenus. Construire une infirmerie, engager au moins 2 médecins, engager un psychologue nécessite un bureau. Ça c'est bien ça. Entretien intérieur, extérieur, engager un contre-net, engager au moins 2 concierges et un jardinier. On pourra se faire aussi. Mais construisons notre infirmerie avant toute chose. Une infirmerie, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas un... Ah oui, alors c'est en béton ou rien. Ah. Ah ouais, c'est un peu triste ça. Ouais, bah vas-y, on va le construire en briques de base. Hein. On va démarrer comme ça. Donc, de mémoire, on voulait une infirmerie plutôt badass. Plutôt, voilà. Plutôt solide. Et on est tout en porte du personnel ici, hein. Ouais, on n'autorise pas trop les prisonniers à circuler. Mais pour l'infirmerie, on fera une exception, on aura de la porte de civil. Voilà. Numéro inconnu. Je crois qu'on l'entend sonner mon téléphone en plus. Trop bien, c'est Ennio Morricone, c'est trop bien. Yes, bah ils m'ont mis de porte du random comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah ouais. Double porte. Pas de raison. Y'a pas de raison, on se fait une double porte. On a une première bâtisse, donc on va tout de suite le carrelage blanc, le
carrelage blanc. Il y a un truc qui est tout en carrelage blanc. Ah oui, c'est la cuisine qui est tout en carrelage blanc. En cuisine ou en cantine, incroyable. Eh ben, non. Ce sera ici. Ici, on aura un petit cœur en carré blanc. Et on aura un petit truc. Ah, ou alors, le marbre officiel, bien sûr. Le marbre officiel, on l'oublie, hein. L'officialité, l'importance des dieux. Voilà. C'est très joli. Il manque plus qu'équiper le bâtiment de quelques lumières. Voilà, on fait chaud. Hein. Voilà, petite lumière dans le coin, elle est là. Hop, celle-ci ici, celle-là, celle-là. Et ça part là, et on est très bien. Et une autre part ici. Voilà. Bien sûr, le tout n'est pas alimenté. On va s'en occuper tout de suite. J'ai vu que la pile tenait, hein. Celle du haut attire un dessert, elle dessert quasi toute la prison, hein, jusque là. Après c'est une autre qui prend le relais, mais ça a l'air de vouloir tenir, hein. Écoute, on va continuer à lui donner sa chance. Hein. Alors, construire au moins une infirmerie, ça nécessite d'avoir une pièce nommée infirmerie, bien sûr. Waouh, c'est impressionnant, vraiment. Je suis très impressionné. Au passage, on va faire un petit prolongement mural immédiatement de l'enceinte de là à de là. Ah oui. Ah, on est embêté. On est embêté. L'infirmerie est trop grande. Mince. L'infirmerie est trop grande. Ouais bon, on avait dit qu'on faisait les choses bien, donc c'est parti. Hein. On fait les choses bien. Infirmerie, combat, j'en veux dire. C'est impressionnant. C'est ça, on a un trouillou. On a un trouillou que ça passe pas. Ok, c'est pas grave. Franchement, en lit médico, on est solide. Je pense qu'on peut dire qu'on est solide. C'est vachement aligné, hein. c'est pas dingue non plus. Ah, bien sûr. Eh, les paillassons. Hein. Essuyez vos pieds. Hein. Bien sûr, hein. Et pas des porcs. Pas des sauvages. Il faut que j'aménage également un bureau. Donc ça, c'est facile. Bureau, la pièce que j'ai le plus. Et il va me falloir un psy. C'est pas ici. Non, t'aimes bien quand même. Un psychologue. Voilà, j'ai mon psy, c'est valide. Deux médecins, c'est valide. On va dans le rapport, on va sur personnel. Vous êtes viré. Voilà. Le psy aussi, d'ailleurs, je pourrais être viré aussi. Bon, pour le principe, je vais te garder. On remplit les bureaux. Ici, je suis bloqué parce que j'ai fait le couillon. Donc démontez-moi cette lampe. Et puis on va faire quand même le classique d'infrastructure, hein. Obligatoire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc quoi, on ajoute deux grandes portes. Paf. Paf. Avec ici du servomoteur. Et paf, on revient par là, on rajoute deux détecteurs de métal. Paf et paf. Ici on vient, on rajoute deux radiateurs. Je pense pas que tu auras besoin d'ajouter plus. On verra s'il y a besoin d'ajuster, mais je ne pense pas. Ah oui, il faut que j'attende qu'il les pose parce que sinon je vois pas où je vais assis. Okay. D'ailleurs en termes de température, hop. Très bien. Très bien, il fait très chaud ici. Il fait très bon. Il fait très beaucoup bien. Très bien. Oui, raccordement électrique. On s'est pas encore fait sauter la pile. Hein. Donc la pile, elle marche encore. Ça marche plus grand chose. Hein. Ça marche, mais faudrait pas pousser quand même. Déjà, on va raccorder ça. Et ouais, bon, le plus court, c'est ça. Allez, faut que ça tienne.
Faut pas que la pile la saute. Du dallage en béton. Voilà. Oh, très joli, très joli. Et bien sûr, il manque une petite touche décorative à tout cela, hein, évidemment. Que serait un district de prison sans son mur barbelé, bien sûr. Juste un mur, on se croirait en vacances finalement. Là, le petit mur barbelé, on sent que ça ajoute une petite touche supplémentaire. Il y a quand même une volonté de faire les choses. Ça, c'est vendu. Ah, vendu. Yes. Faut arrêter de faire entrer des trucs volés, les gars. Très bien. Paf. Normalement tout ça, ça suffit, ça chauffe, ça tourne, c'est top. C'est top à la vachette normalement. Hop, une lumière, deux lumières, tac, 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 et tac, into, tac and tac. Voilà, c'est très joli. Très joli, et il faut que je raccorde d'ailleurs ces portes. Qui s'occupe des portes supérieures? Je crois que c'est toi. Non, toi tu t'occupes des caméras. Tu t'occupes de toutes les portes d'accès du haut. Non, pas toutes. Ah, pas toutes. Toi qui t'occupes du portique du haut, hein, je vois pas jusqu'où tu portes. Ouais, c'est ça. T'occupes des portes du haut, des portes là. Ok, donc c'est toi. Je connecte ici. Et je te connecte là. Ok. Très bien. Très bien. Bon, on va en profiter pour les faire bosser sur un petit bout de gazon, hein, quand même. On est pas sauvage comme ça. Hein. Allez, les gars, un petit bout de gazon. Régalez-vous. Certains diraient même c'est la maison qui offre. Allez-y. Ah, j'allais dire. Comment ça, ça chauffe pas? Si, si, c'est bon, ça chauffe. 17 degrés. Ah, il fait un peu frais quand même. La pièce est grande. Alors, si la pièce est grande, on est à l'infirmerie quand même. Hein. Faut que les gens aient chaud. On a dit qu'on faisait les choses bien, rappelez-vous. Ouais, il est là. Là, normalement, ça tient. Là, normalement, on a chaud. On a chaud comme il faut. Ça va tenir, 100%. On n'a pas de morgue par ici. On n'a pas de morgue. Morgue, ça m'aurait intéressé, mais je suppose que tu donnes pas de subvention pour enterrer les gens. Habitation par l'éducation. Quelle stupidité. Attestation de sécurité de base. Débrouiller patrouille, machin. Affecter 3 gardiens à des patrouilles. Ah oui, non, ça c'est ok, pas tout de suite. Entretien de la prison. Entretien de la prison, ça peut commencer à être intéressant de le valider maintenant. Ça me fait engager 3 types que je licencie tout de suite. C'est pas grave. C'est loin d'être un drame. Hein. C'est loin d'être un drame. Et si, par pure question de l'or, j'aimerais qu'on remplace l'ensemble de ces murs par des murs appropriés aux services médicaux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voilà. On sera bien. Des jolis murs blancs, on est bien, carrelé, très joli. Très très joli. Pièce, du coup, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? Dortoir isolement, non. Isolement, on pourrait s'y intéresser, mais pas tout de suite. La morgue, donc, on disait. Chambre d'exécution, salle commune, buanderie. C'est vrai que la salle d'exécution, ça pourrait se faire. Salle de classe, foresterie, magasin, comment il y a. Non, non, bah non, on va partir sur une morgue. Hein. On va partir sur une morgue. Une morgue conséquente. C'est peut-être un peu prétentieux. Une morgue aussi grande. C'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que ça va se voir. Ah, c'est possible que les gens s'en aperçoivent qu'elle est un peu grande. Je suis en train de réfléchir à éventuellement ce qui pourrait manquer. En vrai, on a tout. Si je peux faire une demi-morgue, demi-salle de nettoyage à la limite. Comme ça, les mecs ont moins besoin d'aller loin. On va se faire ça. On va se faire un début de chaque. Par contre, on est sur du stricto reservito professionnalito.
Enfin, avec les manteaux. Sauf qu'on est sur du égal égal, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on est déjà là. 3, par là. Ah oui, ça va être chantier parce que je peux pas être non plus en mieux ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est chiant. Ah, par contre, là on est sur du 13, et ça c'est bien. Là par contre, ça c'est bien. C'est-à-dire que normalement, mon mur porteur il est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je te place sur la troisième. Paf! Et paf! Avec une lanterne juste au milieu qu'on va donc démonter parce qu'elle gêne. Mais on l'aime beaucoup, de toute façon, on va la replacer. C'est pas gênant. Parfait. Parfait. Un mur. Yes, super, un mur. Ouais, un mur quoi. C'est juste un mur. Tais-moi donc ce mur. Salle de nettoyage, c'est le petit carrelage. Y a pas de soucis. Insolent, c'est rapide par là par exemple. Voilà. Et sur l'autre, on est sur une bonne bonne morgue des familles. Petite morgue des familles. On va partir sur le même petit carrelage hygiénique. Voilà. Mais avec le bon blanc médical au milieu. Voilà. Et ça on aime. Du coup en pièces, on peut remettre une salle de nettoyage. Nous approuvons cela. Et nous pouvons mettre une Morgenstern. Très bien. Formidable. Et nécessite des tables de dissection. Alors, j'ai, on va trouver ça. T'inquiète pas, TKT poteau, ça va bien se passer. Tac, 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 and tac. Voilà. Et on met la même comme ça. Ça là, on peut vraiment liquider ma jambe. Non, mais on prévoit parce que bon, moi je me connais, je sais pas combien de temps je vais rester calme. Après, ça va m'énerver et je vais me mettre à tuer des gens. Je me connais, je me sais un peu nerveux. Voilà. Oui, on va se mettre un petit radiateur là. Pas de problème. Et pour vous, ouais. On va se mettre un petit radiateur là. Ah, vu la taille des sages, je suis pas sûr que un radiateur suffise. Hein. Je suis pas convaincu hein, par ma décision. Ah, ce qui me fait penser que l'hôpital, j'ai oublié de leur mettre des fenêtres. Attendez, 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 on est quand même pas sauvage comme ça là. Si? Non? Non, on est pas sauvage comme ça. On va leur mettre des petites fenêtres comme ça, regarde. C'est kawaii, tu peux voir tes potes agoniser. Franchement, c'est pas dans tous les établissements qu'on peut voir ses potes agoniser. Quand même reconnaître l'effort à un moment donné, l'effort professionnel qui est fourni. Et on peut même leur caler une grande juste là. Alors là. Là il y a du design. Là il y a du design. Moi je les inviterai même sur un petit fauteuil. Un petit fauteuil ici une fois. Un petit fauteuil ici deux fois. Pourquoi ils peuvent pas? Ah ils peuvent pas parce qu'ils peuvent plus accéder dehors. Ok. Yes. Oui. Alors attendez. Oui c'est chiant. Oui je comprends. Je comprends votre embêtement, votre agacement. Je saisis la souciance problématique que cause le problème. Dira-t-on. Non, je veux dégager un mur. Voilà. Si tu peux aller récupérer tes poubelles et tes machins, et après on ferme cette zone à tout jamais. Non. Allô. Dégagez-moi ça en urgence là. Ils veulent pas. Ils ont pas envie. Ah si, ça y est, c'est bon. Maintenant, évitez de rester enfermé derrière. Ce serait formidable. Très très bien, très très joli. Ah du coup, j'ai pas pu mettre ma loupiote ici. Alors pareil, on va démolir un bout de mur. Hein. On va démolir un bout de mur. Alors, on pourrait dire ouais, la loupiote, on s'en fiche. Mais non, pour les snipers, on s'en fiche pas en fait. Les snipers, ils vivent de ça. C'est leur fond de commerce. J'ai même envie de dire, régalons-nous, mettons-nous une loupiote ici quoi. Tant
qu'à se régaler, allons-y. Allons-y, allons-o. Hop. Et puis, petit gazon, hein. Petit gazon pour bien faire les choses, hein. Voilà, on aime beaucoup, hein, c'est très joli. Vas-y, gazonne-moi ça, gazonnez-moi tout ça. Dépêchez-vous. J'ai pas regardé du coup en termes de température, on est très très bien, évidemment. Évidemment. Ça fluctue, ça fluctue. Est-ce qu'on monte à des températures raisonnables? 18, ouais, on est léger, on est léger, on est léger. Faut rajouter un radiateur ou deux. Et en plus, je vais être obligé de les distancer. Vas-y, je vais les mettre là tous les deux. Comme ça, je vais gagner en pomperie. Voilà. Oui. On est bien. Ils ont tout fait derrière. Oui, ils ont tout fait. Ça a l'air d'être bien, ça. Allez. On va vous remettre un bout de muret ici. Un bout de muret par là, s'il vous plaît. La salle de nettoyage, je sais pas obligatoirement en intérieur. Ok, mais après Harvey, elle a pas besoin d'être derrière des murs. Je sais pas. Ça avait pas bugué, du coup c'était rigolo. Température. On est très très bien. On est parfait à tous les étages. Oh là là, on aurait voulu le faire exprès. Bon, on l'a fait exprès, d'accord. On l'a fait exprès. Très bien. Ensuite, réhabilitation par l'éducation. Oh, on a envie de faire ça, non? Est-ce qu'on a envie de faire ça? L'attestation de sécurité de base, ça peut être intéressant. Entretien de la prison, au moins deux concierges, un jardinier. Allons-y, on va prendre cette thune-là et on va effectivement commencer à embaucher le fameux personnel qu'il faut. Au moins un jardinier et au moins deux concierges. Parfait. Félicitations. Vous êtes viré. Allez, viens-moi tout ça. Ça sert à rien. Voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur prendre comme argent? Est-ce que déjà on a une nouvelle subvention intéressante? Intégration affectée trop près. Ouais, non, ça non. Attestation de sécurité, on peut la prendre. Et réhabilitation pour rien. Une salle de classe avec 20 pupitres, 10 prisonniers ayant réussi le programme. Ah oui, ça c'est le truc compliqué. Ça c'est le truc qu'on n'a jamais réussi. Engager 10 gardiens. Tu te rends compte du fric que ça me coûte, tes conneries là? On est parti sur un 50 boules là. Allez, c'est parti, hein. Déploiement, gardien. Oui, vous pouvez pas. Oui, il n'y a pas d'accès, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va voir ce pas d'accès en boucle le restant de notre vie, hein, vraiment. C'est vraiment ça notre destinée? Est-ce qu'on était vraiment destiné à ça? Ou alors on leur met une petite porte de service. C'est possible aussi. C'est possible aussi que finalement, pourquoi pas. Ah oui, mais j'ai squatté tous les murs ici. Ici j'ai squatté tous les murs. C'est mort. C'est juste mort. Si je vais dans objet. Pas dans objet, dans porte. On peut tout à fait arriver et se caler. Une petite porte de service. Ce credo. Là. Par exemple, on peut complètement. Ici, c'est plus compliqué de faire en Skrados. Parce qu'en Skrados, on a squatté la place, quoi. On a full squatté la place. Du coup, je peux pas trop. Voilà, je voudrais bien, mais je peux point. Hein. Il veut pas dans le mur d'enceinte, hein. Dans le mur d'enceinte c'est hors de question. Le mec il refuse catégoriquement. Bon, c'est pas grave. Déploiement. Gardien. Affecté des maîtres chiens. Déploiement. Patrouille. Ah, d'accord. Patrouille bleue.
Patrouille magenta. Oula, c'est quoi? Les patrouilles colorées permettent de se superposer et vous pouvez attribuer des gardes distinctes à chaque itinéraire. Le droit est fait. D'accord. On peut se faire croiser deux patrouilles. Priorité à la patrouille. Patrouille armée, patrouille de gardien, patrouille de chien. Très bien. C'est un peu plus complexe qu'avant. Je sais pas si c'est bien utile, mais voilà. Et du coup, on peut mettre une magenta par-dessus. Passe par là. Voilà. Très rigolo. Voilà. Et il n'y a plus qu'à déploiement. Ah non. Ah non, c'est dans patrouille, il faut que je. Pardon. Pourquoi je veux pas affecter plus de gardiens? Ah, il faut que je mette mon gardien dessus, ok. Ok, wow. Vous êtes devenu un peu taquin quand même hein, sur les sur ce truc là. Hein. Patrouille bleue. Et magenta, pareil, hein. Ça dégage. Voilà. C'était incroyable. J'ai pas envie de bousiller ce secteur, ça restera comme ça, je trouve ça très joli, et puis voilà, hein. On a dit qu'on faisait les choses bien. Ah oui, vous êtes viré, non, vous êtes peut-être pas viré. Si vous êtes viré. Non mais si vous êtes viré, on n'a pas encore fait le bloc de cellule A. Affecter deux maîtres chiens à une patrouille, deux gardes armés à une patrouille. Peut-être pas tout de suite. Parce que ça, quoique, si vas-y, justement on va le prendre maintenant. Tant qu'il n'y a personne d'autre... maître chien 1-2 et garde en arme de Space Marines. Oh, une balle! Une balle le Space Marines, c'était sérieux! Vache là! Personnel. Personnellement, moi je suis pour qu'on licencie tout ça. Voilà, c'est très bien. Du coup, déploiement affecté de maître chien une patrouille à une patrouille. Donc c'est deux patrouilles, ok. Patrouille. Deux chiens. Ouais. Allez, alors d'abord, oui. Patrouille bleue. Patrouille magenta. Patrouille de chiens. Patrouille de garde armée. Voilà. Tout viré. Mettre au chien. On vire tout. La patrouille bleue, on dégage. La magenta, on dégage. Le personnel, il dégage. Et on fait des économies. Très bien. Et on plie beaucoup de quêtes. C'est bien, on plie beaucoup de subventions. On n'a pas envie de réhabiliter les gens pour l'éducation, tout du moins pas tout de suite. Donc, ma capacité d'admission à 15. C'est accepté. Alors, déjà, il va falloir comprendre qu'ici, il faut qu'on finisse notre quartier. Faut qu'on finisse notre quartier. Et quand je veux dire on finit notre quartier, il faut mettre tous les bâtiments qu'on n'a pas pensé à mettre ou qu'on a oublié de mettre. Voilà. C'est-à-dire, alors déjà, on va partir sur une base béton, quand même. Il faut quand même pas déconner. Ah, ouais, on a fait de la brique, là. Ouais. On fait de la brique, on a vraiment envie de faire de la brique. On a vraiment envie de faire de la brique. On peut en mettre ça en béton là. On peut mettre ça en béton là. Cette commune de mort pousse en béton. Ah, sale commune d'ailleurs qui ne possède pas de fenêtre hein, visiblement. Hein. Donc on rentre dans un type de scandale dont on n'a pas l'habitude. On est choqué. Évidemment, ce n'est pas comme ça que nous concevions notre prison. Nous l'avons jamais voulu ainsi, sachez-le, excusez auprès de la presse, envoyez deux SMS. Voilà. Ah non, c'est une petite fenêtre qu'il faut mettre, d'accord. Bah, petite là, et petite là. Et ensuite, petite là, et petite là. Pas très bien. Du coup, petite là, et petite là. Oh, bah, superbe. Pareil ici. Oh, c'est ouf. Et au milieu, mais dans le village, bien sûr. Parce qu'on adore ça. Ils ont même du chauffage là-dedans, donc. Ils sont quand même bien lotis. Hein. Donc,
Il me faut. Alors, oui, je vais juste prendre vite fait un bout de papier. Parce qu'à chaque fois, j'oublie ce détail technique-là. Maintenant, il me faut un stylo, vite fait. Voilà. Dans les pièces qu'il nous reste à faire, nous avons. Une bibliothèque, c'est du 5-5. Puis. Bli. 5, 5. On a la chapelle, c'est du 6, 6. La chape, c'est du 6 par 6. La salle de classe, faudra que j'en fasse une balèze. Salle du courrier, c'est 5, 5. C'est du 5 par 5. Et le magasin, c'est du 4 par 4. C'est juste pas chiant. 4 par 4, c'est le magasin. Ça, c'est le bloc. Il faut que je fasse un bloc comme ça. Ensuite, à côté, il nous faudra l'atelier buanderie. Donc, buanderie, il n'y a pas de taille. Buanderie, atelier, c'est du 5-5. Atelier, c'est du 5 x 5. Ah, on va peut-être mettre la chapelle avec le. Ah, ouais, du coup, on verra peut-être. On verra peut-être. C'est plus pratique de faire comme ça pour moi. Et il faut que je mette une salle de classe balèze. Hein. Salle, hein, classe, balèze. Et chambre d'exécution. On va peut-être pas la mettre. Peut-être pas poser ça tout de suite. C'est peut-être pas nécessaire dans l'immédiat. Ok, c'est bon. On a les cotes minimum obligatoires. Au passage, je crois qu'il nous reste quelques trucs à dépenser. Voilà, hein. Tout a été dépensé. Tout le fric a été jeté par les fenêtres. Nous avons tout. L'arbre de compétences. Du coup, ce qui pourrait nous intéresser, c'est de se lâcher sur une bibliothèque. Ah oui, parce que alors, du coup, si je veux qu'ils réussissent leurs études, les sacs. On parle de sacs, là. Idéalement, faudrait que je parte sur. Et là, faudrait que je laisse un vide. Pour que les gardiens puissent passer derrière. Ou penser à faire une porte. Ça marche aussi. On pourrait complètement partir sur ça. S'il nous faut une salle de classe balèze, il nous faut un ensemble de choses assez costaud. On est sur quoi, du 9 de profondeur. 9, on fait rien, hein, 9. 9, 9 c'est 0. Sur du 9 là, non du 10. 10 c'est 0 aussi. Moi j'ai envie de faire un pavé. On va encore faire un pavé. Je vais encore m'en mordre les doigts parce que ce sera pas assez grand. D'hab. Ah oui. Ouais, avec mon avocat. Yes. Ça me fait barrer ça. Ce bout de l'or qui traîne là, tu sais pas ce qu'il fout ici. On l'aime bien. Porte du personnel, on va la mettre derrière. Et puis pareil, là, on va mettre une porte du personnel. Ah, mais attendez, attendez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. J'ai mal fait mon truc. J'ai mal fait mon truc. C'était jusque-là. Et du coup, la porte du personnel. Ah, tu me la mets là. Très bien. Oula, ça rabote un peu. Pas de soucis. Donc ça c'est une salle de classe. Pièce, c'est une salle de classe. Salle de classe. C'est où? Salle de classe. Normalement c'est assez grand. Donc il nous faut 20 pupitres là-dedans. J'en ai, mais je pense que j'en ai assez. D'ailleurs, je devrais la prendre hein, cette quête là, hein, puisque. Ah oui, non, non, parce qu'il faut que je rentre les gens, c'est ça. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai pile 20, c'est parfait. Bah, c'est parfait. Un bureau.
Seuls les bureaucrates ont bien entendu le secret. Avec un vrai fauteuil de bureau. Alors pour sortir le fauteuil de bureau, on vient ici, on zoome comme ça, paf, chef de bureau, merci, on dézoome. Et on rezoome. Voilà. Le psy, il est posé. Votre psy est posé, monsieur. Très bien. Alors comme d'hab, moi j'aimerais essayer d'aller chercher des arnaques potentielles en faisant des ouvertures sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je fais une porte. Porte, c'est court. Porte, c'est très court. Porte, ça m'embête. Hein. Porte, ça m'embête. Après, est-ce qu'on aura vraiment 20 mecs tout le temps dedans? Bon, allez, bon, vas-y, fais ta porte. Pourquoi lui, il est calé? On sait pas. Tu démontes ça. Superbe. Tu peux me remettre un bout de mur en béton ici. Et il va me falloir... parce que oui, en fait, les portes de personnages, je suis en train de les mettre, mais j'ai pas besoin, parce que j'ai pas prévu forcément de fermer cette zone. Ah oui, j'ai oublié, il leur faut aussi une cantine à ces couillons. Est-ce que je suis pas obligé de fermer cette zone, en vrai. Je peux la garder ouverte en un seul et unique bloc. Ah, une petite page de carnet. Très mignon. On peut garder complètement la zone ouverte. Dans quel cas, toi aussi tu sers à rien. Il arrive, il prend un bout de bois, il le pose là. Tu sais pas pourquoi. Bon, juste il s'est dit, je le prends, je le pose. On a été parti sur un marbre parquet. Carrément. Bah vas-y. Ah, mais est-ce que vous méritez un marbre? Je vais te dire, est-ce que je vous mets vraiment un marbre? Bon, allez, va pour un marbre parquet. Voilà, voilà. Alors. Voilà. J'ai pas éclairé ces salles-là. C'est super intéressant ce que je fais. Donc ça non plus, c'est pas éclairé. Catastrophe ça. Tout ça quoi. Respectez-vous. Bon. Très bien, on se respecte, on se respecte. Les petites lumières pour le sniper. Notre ami le sniper. Bien sûr. On adore les snipers. Bien. On sait déjà qu'il va nous falloir un chemin en pierraille ici. Voilà. Est-ce que vous avez affaire à tomber un bout de bois? Si, hein. Ne vous gênez pas. Ah, et du coup, celui-là, vous le faites pas. Super. On a vraiment une grosse mentalité, les mecs. Hein. Une grosse mentalité de feignant. Là j'ai pas pris mes codes, du coup j'ai pas... Oh là là, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. En tout cas la salle de classe, on l'a. Donc idéalement, en termes de pièces, il nous faudrait en face une bibliothèque, hein, tant qu'à faire. On aurait combien? On est sur du 12. On est très bien là, on rentre ce qu'on veut là-dedans. C'est très bien ça. On peut presque claquer une chapelle. Oh, la chapelle là, tu vois. Là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui va à la chapelle. Toujours, toujours beaucoup de monde. Et on peut complètement se mettre à la petite salle de 4 sur 4. C'est laquelle 4 sur 4? C'était le magasin. Un petit magasin. Ah, mais est-ce qu'on veut faire un petit magasin? Ouais, le magasin, c'est ça. Quoi. Ouais, même pas, je peux mettre un 5 sur 5 là-dedans si je veux. Avec toute la place que j'ai. Parfait. Ouais, on peut partir sur un magasin 5 sur 5 par exemple.
6 sur 5 même si en ce qu'ils veulent en vrai, on n'est pas comme ça. Partir sur un grand magasin. Derrière on peut partir sur une salle de courrier, on a combien là? Encore 13. 13 tu peux bien faire une salle de courrier sur 6 sans trop de problèmes. La bibliothèque, à la limite, ce qui serait cool, c'est qu'elle soit énorme et je reste là. Elle est énorme, elle est là. Foresterie, c'est non. Buanderie, ailleurs. Atelier, ailleurs. Bah, ouais. Bon, on n'a pas grand chose à mettre de plus en fait. En vrai, on n'a pas grand chose de plus à mettre. Alors, je calme ma buanderie par là. 6 sur 6, je trouve pas ça balèze. C'est pas énorme quoi. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Et du coup, je préfère. Attendez, vous allez voir l'idée de génie. Incroyable. Une fois qu'on coupe tout ça avec des murs. Hop. On coupe ça avec des murs. Et on se met une double porte ici. Voilà. Et en fait ici on a une deuxième salle commune. Et on est très bien. Et tout le monde il est super content. Par contre j'ai intérêt de mettre des portes parce que je pense que sinon vous allez vous coincer. Je vous vois venir voilà, sans milieu à la ronde. Donc ce qui nous permet de yes, c'était bien gros. Ah, tu peux sortir, fais pas genre, tu peux sortir. Voilà, merci. Mettre des portes partout pour éviter que les gens se croisent de trop. Les portes c'est ici. La Yotech à Bibi. Je crois qu'il fait du 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. La Yotech à Bibi. De chaque côté. Plus un accès. 5, 6, depuis la salle commune. Voilà. La salle du courrier, je sais pas. Par contre, la salle du courrier, on va peut-être pas mettre beaucoup d'accès. Toujours une très bonne idée. Yes. Voilà. On va faire en sorte qu'il se pose. Non, salle du courrier, si, si. Salle du courrier, complètement. J'ai rien dit, c'est bon, c'est magasin que je vois pas trop de portes. Magasin, pas trop de portes. Une porte. Parce que magasin a toujours beaucoup de problèmes avec le magasin. Toujours une histoire. D'ailleurs, c'est tellement une histoire que. Est-ce que je penserais pas à mettre tout de suite un petit détecteur de métaux ici? Voilà. On va peut-être pas en intérieur, peut-être le mettre là. En extérieur. Voilà. Donc pour le magasin, il faut au moins une petite table, une étagère de magasin, une façade de magasin. Admettons, faisons une façade. Alors par contre la façade, ouais c'est ça, faut que je la mette d'un côté où ça gêne pas. Hein, on va mettre ça comme ça. Il faut des étagères de magasin qui sont balèzes évidemment et qui me posent beaucoup de problèmes attiques. Ah, il faut que je cale encore les petites tables. Oui. Alors, il faut que je cale une petite table. Miroir, et je vais en mettre une ici. Voilà. Alors, et pas mal. Et parce que moi, je suis pas un sauvage. Voici, monsieur, une chaise. Une chaise face au café. Très bien. Excellente idée. Magasin, vous voyez, déjà deux trucs qui direct ça a sifflé, faut que ça passe à la fouille. Je suis trop content d'avoir un magasin. Le truc c'est que si t'as pas de magasin, les mecs ils pètent vraiment un câble. Sérieusement. Ils décodent même pas avec ça. Les mecs ils deviennent fous instant. Complètement dingue. Oh, on est clair, on n'est pas des sauvages. La lumière fut amène tout ça hop et hop. Très bien.
Vas-y, allons-y. La salle du courrier. Pour la salle du courrier, il te faut quoi? Bureau de classement et des tables. C'est parti. Bureau de classement. Ah, je peux pas les mettre. Mais c'est pas grave, il faut que je mette des petites tables. C'est pas très très gênant. On va essayer de chercher un peu d'esthétisme. On est bloqué. On est bloqué. Oh là, on est bloqué. Ah, quoique. Quoique. Table qu'elle est petite. Petite table et puis merde. Hein. Voilà. Hop. Oh. Bon, il y aura Michel qui est un peu au milieu. Ouais, est-ce que c'est vraiment important que Michel soit au milieu ou pas? J'ai envie de te dire, c'est un peu une grande question. Attendez, arrêtez tout. Je viens d'avoir un flash info. Démontons ça. Démontons cela. Démonte celui-là également. Là, on pourrait se dire que j'accorde de l'importance à des petites choses. Mais en réalité, c'est des choses extrêmement importantes. Ouais, c'est qu'ils arrêtent pas de chouiner hein, les mecs. Ça chouine dur, ça chouine fort. Les chaises ne sont pas obligatoires. Donc les mecs peuvent rester debout si ça m'éclate. On peut aussi leur mettre. Sinon on leur met rien. Et ça reste de m'emmerder. Je leur mets ça là. Et il n'y a pas de place en fait si je fais ça, c'est ça? Eh bah marchez-vous dessus, puis démerdez. Et franchement, démerdez-vous. Je suis quand même sympa. Il n'y a pas de place pour un radiateur. Il n'y a même pas de place pour un radiateur. Arrêtez, non, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Ah, viens-moi. Laisse passer ici, gros. Laisse-moi. Oh, le mec, il m'a fait. Ah, tu nous casses les couilles, il n'y a pas à prendre des décisions. Tire-toi. Tiens, pour toi, je te fous ça ici et tu m'emmerdes plus. Le mec, il fait peur un peu. Va pour un radiateur ici. Et une petite radio par là. Voilà. Ça, ils sont confort. Hein. Ils sont confort, ils sont bien. On a oublié, bien sûr, les petites fenêtres. Alors, par contre, il n'y aura pas beaucoup de gens à l'extérieur. Hein, donc, voilà, c'est juste là, les petites fenêtres. Et il n'y a pas plus, les gros. Il n'y aura, y aura pas plus, hein, malheureusement. Voilà. C'est bon. Bibliothèque, étagère de bibliothèque, bureau de classement. Bon bah voilà, hein. Tout est dit hein, je crois. Hein. Tout est dit, a-t-on une vraie place? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Après, on peut complètement faire un truc comme ça. Hein. En fait, je me dis, ça c'est déjà vu, ça peut se faire à nouveau. Avec un petit bout de béton juste là. Et évidemment on parlait donc de bureau de classement. Et alors là, là c'est free, là on a un peu de place. Ah on n'est pas à pas tant de place que ça non plus hein. Ça peut être que deux bureaux de classement du coup. Oh on repart sur les techniques d'escroc. Ça marche aussi. Et dans ces cas-là, on a un poil plus de place. Wow, et voilà, très bien. Et les bibliothécaires sont obligés d'être derrière, voilà. Sinon, sinon t'es client, t'es de l'autre côté. C'est excellent. Excellent comme vision des choses. Surtout que ça m'arrange grave. Par contre, grande pièce de radiateur, je suppose. Mais on en met que deux pour l'instant. Salle commune, bah pas vraiment de place pour la salle commune, donc moi je propose un petit billard, des confits, des conforts, de l'éclairage bien sûr. Bien sûr, excusez-moi, je vous mets des lumières. Des lumières fures, hein, tout ça, tout ça.
éclairer la chapelle. Le magasin de ses morts aussi. Voilà. Allons-y, éclairons. Voilà la chapelle, on a deux entrées. On les évite de les faire passer par le chemin principal sur lequel tout le monde passe. Ça évite les clashs éventuels. Alors il faut hôtel, banc d'église et tapis de prière. Alors on va placer tout de suite le plus chiant. Bonjour l'hôtel. C'est chiant. En plus il n'y a pas de sens à ce machin. C'est chiant tiens. C'est chiant, je sais pas quoi faire avec. Des bancs. Yes, bon bah je pensais que ça allait être chiant. C'est chiant comment? Tu passes ici? Super. Moi je dis super. Et on part, on claque des petits tapis de prière par là. Par là. Voilà. On est bien, on se marche pas dessus. C'est intimiste. On est bien. Voilà, voilà, on est entre personnes de bon goût. Tout du moins on veut faire genre. Donc bon, alors ça a toujours été bien sûr les trucs les plus étranges possibles. Hein. Donc un petit mosaïque, ouais, un truc un peu travaillé, fantasy. Toujours dans du travaillé, un peu que tu mets pas forcément ensemble, mais voilà. Vos bâtiments à vous, c'est de la dalasse. Voilà, de la dalasse et du parquet. N'importe quoi. La salle du courrier. La salle du courrier. La salle du courrier. Un revêtement métallique dans la salle du courrier. Ouais. C'est quoi ? Revêtement métallique avec un plancher, évidemment. Complètement. Ici, on va peut-être partir sur un peu plus du fantasy. Voilà. Appuyer sur un parquet, évidemment. Voilà. Et là, on était parti sur un. Sur un mosaïque. Du mosaïque, ça? Alors déjà j'ai oublié de faire la pièce, salle commune, salle commune, salle commune. Compliqué de trouver les choses hein. Quand on n'a pas les yeux en face des trous, trouver les choses, normalement c'est de télé, voilà c'est ça. Ah bah c'est bon, c'est déjà fait salle commune. Très bien. On a vraiment pas les yeux en face des trous, mais on va y arriver. Hein. Voyez-moi bien, on y croit. Mosaïque plancher. On part sur un petit mosaïque plancher. Décontractante. Et on est bien. On se rajoute deux dallas en pierre, deux dallas en pierre, deux dallas en pierre. On prend le tout et on le raccorde par là. Très joli. Ce qui nous fait penser qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas été effectuées. Vous n'avez pas de radiateur. Vous avez besoin de radiateur. J'en mets deux pour l'instant. Vous n'avez pas de fenêtre sur l'extérieur. Je peux rajouter cela. Et la lumière fut. Les petites fenêtres. J'aime bien les petites fenêtres. Oh. Il y a une petite sauvegarde auto, quoi. Sauvegarde auto dans mon dos. Très très joli. Hein. Ah, vraiment, on sent le sens du détail. Hein. Ici, vous aurez qu'une fenêtre. Juste une. Bon, allez, t'en mettre un peu plus d'une quoi. Je m'en mets deux. Si vous en avez deux, deux, on est bien. Ah, alors, j'ai oublié aussi de vous faire ce petit côté là. Ça a l'air de rien, mais c'est des détails importants tout ça. Hein. Ça a vraiment l'air de rien, mais c'est vraiment des détails importants. Ok. Alors pourquoi c'est des détails importants? Parce que ça influe sur le bonheur permanent des prisonniers. Voilà. C'est dans leur cellule comme en dehors de leur cellule. Voilà. Donc faut faire les choses bien, le plus possible, tant qu'à faire. Voilà, la salle commune, pareil, on va lui mettre deux fenêtres. Ça fait genre.
Dans la salle commune, on va aussi leur glisser une petite radio et une petite télévision. Il n'y a pas beaucoup plus de place, mais on va quand même leur glisser un fauteuil. Deux fauteuils. Fauteuil. En vrai, on peut mettre un peu plus que deux fauteuils. Ah, attends. On va leur même carrément leur glisser un canapé. Deux canapés. Ah, quoi dire de plus? Petit canapé qui regarde dehors. Petit truc qui sert à rien. Non, ce que je voudrais là éventuellement, c'est une étagère à livres. Parce qu'il faut les culturer un peu. Donc faut pas hésiter à leur bourrer de l'étagère. Voilà, la petite étagère à livres là. Voilà, on leur bourre le mou. Ils ont au moins à peu près l'air un peu plus intelligent à la fin de la journée. Un peu. Pas trop quand même, faut pas déconner non plus. Et bah, on va attaquer le sujet qui fasse. Le sujet qui fâche, les radiateurs dans les petites salles. Allez, c'est parti. Alors, le saint radiateur. On peut mettre carrément au milieu de la pièce le saint radiateur. Je vois pas où est le problème. Ici, on peut en glisser un là, il n'y a pas de souci. Là, j'ai réussi à en glisser un. Vous, j'ai tout fait, j'ai tout construit avant d'en penser à en glisser un. Je vais le glisser à côté de la radio puisque finalement vous n'avez pas besoin de regarder la radio de près. Là j'en ai glissé. Et il y a qu'ici, je sais pas du coup du tout où les mettre. Yes. Du coup, faudrait que je fasse sauter un ou deux tapis de prière, genre pour glisser un truc. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Grosse question. On va le mettre là. Très joli. On dit qu'en fait il est appuyé contre un, voilà, contre un des bancs. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors on a une chaudière là, donc on va tout de suite penser à tirer du, parce que sinon je vais zapper. Moi je me connais. Moi je me connais. Je sais comment je suis là-dessus. Je pense que tout ça c'est bon, c'est raccordé, c'est raccordable ensemble. Ici, ah ouais, c'est gratos, hein, ça passe, ça tient. Je pense que ouais, tout tient en fait. Hein. Ah, j'ai bien placé mes deux chaudières, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, ça y est, c'est bugué, ça fait plaisir. Ça y est, c'est bugué. Ah, du coup, j'aurai sa fenêtre d'objet tout le temps ouverte, ouais, c'est génial. C'est trop cool. Je suis trop content, vraiment. Trop content. Du coup pareil, on va continuer comme ça. Du câblage électrique, est-ce qu'on tire encore sur toi? Non, clairement c'est fini, c'est fini. Tu ne travailleras plus jamais pour nous. Tirons cela. Ouais, ouais, j'économise rien, on va aller tirer comme ça. Voyons voir si ça éclaire correctement. On va voir ça. Ah, il y a des choses que j'ai oublié d'alimenter. Ah oui. Oui. Ah oui, par contre, bosser à fond. Et ça, faut le vendre. Qu'il y ait quelque chose dedans ou pas. Sinon, le camion là du monsieur, jamais il s'en va. Donc l'objet, il est pas fouillé. Ce qui finit par être un peu long. Il en reste une. Tu vois que c'est la bonne. Ouais, pas mal. Joli, joli. Vous l'avez pas raccordé au réseau, c'est ça? Oui. Vous construisez à l'envers comme d'habitude, quoi. Bah, super. Super, super. Euh...
J'ai fait tout ça. Alors attendez, je vais rayer ce qu'on a fait. La bibliothèque, c'est bon. La chapelle, c'est fait. Le courrier, c'est fait. Le magasin, c'est fait. Buanderie, pas fait. Atelier, pas fait. Salle de classe, c'est fait. Il ne manque plus que buanderie, atelier et en soi une salle de nettoyage de leur côté pour éviter les allers-retours. Donc on va mettre juste aussi nettoyage en plus. Pour éviter les allers-retours intempestifs. Et je crois que le nettoyage c'est 3x3, je crois, de base. Voilà. Les allers-retours intempestifs entre leur quartier et les quartiers administratifs. Ah oui! Ah tiens, je vois aussi qu'il nous manque quelque chose d'extrêmement important. Pardon? Ah oui, c'est vrai que le jeu il est cassé. Le jeu il se casse tout seul. Le magasin surbourré. Les gars qui ont le sens quand même de l'équilibre. Vraiment, l'équilibrage est parfait. Oh là, mais tous les articles de contrebande qui viennent déjà de rentrer, quoi. On est dans un abus, mais total. Pourquoi il n'y a pas d'eau chaude? Ah, parce que je l'ai raccordé jusqu'à la pile et pas jusqu'à... Ah oui, parce que comme un crétin... Voilà, un crétin en fait. Je l'ai pas construit mon tuyau, c'est ça? Bah oui, c'est excellent. C'est bon, hein? Je sais même pas si c'est bon. Mais oui, si, ça a l'air. Ok, c'est... On va avoir du chauffage, on va avoir de la température, ça va aller. Et tout a l'air de fonctionner. Et tout a l'air d'être bien chaud. Ah, on a 18 ici. Ouais, 18-20, ça se tient le temps que ça chauffe, quoi. C'est ça, les petites salles, on est à 20. Ah, même lui, c'est juste le temps que ça monte. Ah, on a un petit... voilà. Ah oui, mais c'est parce qu'on est sur la dalle extérieure déjà. En intérieur, on est bon. Salle de classe, il n'y a pas d'embrouille. Genre les coins les plus loin, genre vers le prof. 20 degrés, pas d'embrouille. Pas d'embrouille, solide sur les appuis. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ouais. Et augmenter notre capacité à 15, bah c'est ce qu'on va faire, je pense, dans le prochain épisode. Ah oui, oh putain, faut que je le note aussi. Ça, je vais me retrouver dedans à la dernière seconde si je le note pas. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, ouais, on va faire ça après. Cuisine cantine. Je vais zapper sinon, mais tellement fort à chaque fois. Ça n'aura pas de sens. Voilà. Tout est noté, tout ce qu'on a à faire est noté. Je vous remercie, c'était Knarfank sur comme d'habitude gaming pour Prison Architect. Mais on a quand même perdu 500 000 billets qu'on a toujours pas retrouvé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.